de sí. Radio Mega, 103.7 FM. Ok, Mimo Baba, va vivre le dimanche. Ça me d'abord le si, là. Quand on dit le Dominique, il fâché, il l'a vaillé, là. Valdez, dis-nous, qui dernière information qui est concernant deux Dominicains, nous connaissons qu'ils ont kidnappé hier et gagné beaucoup d'argent demandé pour M. Sao, on parle de 2 millions de dollars US, qui gagne disposition qui prennent au niveau pays de République Dominicaine. Bon, bonsoir guerrier, bonsoir à tous les amis, Radio Mega. Bon, selon tout journal dominicain, le signe diario, El Diario Libre et tout journal, eh bien, ministère de la Défense dominicaine, eh bien, voyez, 6 groupes antiterroristes pour venir rescaper Mounio en Haïti. Est-ce que vous voyez ou bien y'a voyé? Vous voyez déjà. Avec le journal du Yoboé, avec le territoire déjà. Avec le journal là déjà. Journal de Diario, Diario Libre, c'est ça que nous reconnaissons la même, ça fait une vingtaine de minutes. Et est-ce qu'il y a seul deux concerts avec la police nationale? Bon, moi-même, je ne peux pas dire, parce que le journal n'a pas dit, il va dire la police nationale là, il dit, le journal a dit comme ça, le ministère de la Défense a envoyé 6 troupes antiterroristes pour venir escater Dominicain ou qui est en Haïti. Mais en termes d'informations, qui ça vous dit? Est-ce que ravisseur rentre en contact avec son immunio en République dominicaine et qui se reconnaît de ça? Bon, c'est pas ça, on ne pas gagner, parce que ça me gagne, une façon que je gagne, je connais qu'un ambassadeur haïtien en Dominicanie, je vous dis à la, non de presse qui travaille avec la presse dominicaine, et bien, lui promet au peuple dominicain que l'État haïtien a fait tout ça le connaît pour yo bail dominicain, et sauf selon l'ambassadeur Smith Augustin, dans ça que lui parle, je vous dis à la, avec la presse dominicaine, et lui parle tout avec les signes Diario. Mais nous connaissons à 4h20, il y a un avion de guerre dominicani qui c'est l'avion Tucano qui est entré avec deux hélicoptères de guerre actuellement qui sont sur le sol haïtien. Matériel, ça est rentré là, c'est confirmé ici là en Haïti. Oui, c'est confirmé, il y en a ici. Ok. Mais Gabriel Saint-Jean, nous allons essayer de faire contact avec le porte-parole de la police là pour gagner un premier élément de formation. Ou bien fond d'avoir ça va lister avec le ministre de Défense. Merci un pile, Gazvet. Nous connaissons demain matin. Maintenant, plus d'informations sur ce que ça a été causé dans Panyol avec vous. Merci un pile, Gazvet. À bientôt. Merci beaucoup, Veillé. Voilà, c'était Alexandre Galvez. Galvez, vous m'avez raccroché justement. Oui, Galvez, raccroché pour nous. De trois éléments d'information. Oui, il est raccroché justement. L'établissement de trois éléments d'information sur ce que ça a bien pour nous tourner sur lui. Et tout à l'heure. Palestine, il faut nous préciser tout, où tu as parlé des dossiers Louisa et enfin, madame. Marie-Louisa Aubin. Comme tout que gagné directeur de CCA qui écrit formellement ministre Claude Joseph, ministre Affaires étrangères là, pour que lui mette madame ça à la disposition et en commission qui est déjà montée pour travailler sur question ça et commission à peine. Et consulat le 9 mars qui a venu là. Ça veut dire que le 9 mars, Dame Notre a supposé en Haïti pour venir répondre à une question, commission qui a travaillé ce dossier ça, même niveau ILCC. Ça veut dire que son dossier qui a travaillé. Oui, qui est volé parce qu'il y a écrit tout ministre justice, non? Oui, mais il y a deux lettres calées, bon, lettre qui a joué le ministre justice là, bon, l'autre lettre qui a joué le ministre et Affaires étrangères là. Mais ça fait de l'agenda qui déjà répond et qui dit que toute disposition est à prendre pour que Marie, Louisa Aubin et Célestin lui rentrent en Haïti pour que la commission ILCCA tende sous question et achat de villas. On a rappelé un villa qui coûtait 4 250 000 dollars canadiens et il a acheté ça cash, l'argent comptant. Même l'argent comptant, pas forcément comme si. On m'a avec l'argent, non, il doit avoir un chèque de bas, etc. Et puis, je dis, on doit prendre des locaux de zéro. Oui, on est Célestin. Dans l'émission Matin Débat, on est Célestin qui a dit que ça sent l'argent. Devant l'argent, l'ingé. On ne m'en est pas épice. Mais il faut me dire, on est Célestin.
si vous avez tout l'argent, ça y est, vous n'avez pas besoin de prêter 250 millions de gouttes dans l'ONA. Vous n'avez pas de gain pour faire ça tout. Si vous avez tout le monde de l'argent, ça pourrait faire ça. Tant que je suis bon, bonne l'autre monde. Qui est en situation difficile, marcher, monter, descendre dans l'ONA, ou prêter un petit l'argent, pas qu'à joindre. Or, ou prêter dans l'ONA 250 millions de gourdes. Si c'est petit l'argent, oui, pour ça, vous avez dit l'argent, mon zaro tout. Et tu assuré, mon situation difficile, combien de monde qui est blanche à monter dans l'ONA 24 sur 24 pas qu'à joindre. Hein? Ceux qui sont pas les liés. Ok, vous sont pas les monde, vous qui sont fait prêts dans l'ONA là. Pour qu'ils soient barrés l'autre monde dans l'ONA. On parle de 250 millions. C'est mon ticket d'air, hein? 250 millions de gouttes. Ou elle prête dans l'ONA. Ça veut dire qu'ils sont pas les monde. Bon, pas les monde, vous faites comme ça. Ça veut dire que, laisse le couper. L'élégat d'où il y a besoin d'un sénateur député, d'ailleurs, René Célestin, ça le vaut comme sénateur. Quand vous regardez René Célestin comme sénateur, qu'est-ce qu'il ça le vaut pour ça? Rien, absolument rien. Mais un businessman, il y a affaire, il y a des bagages, well, mais il a utilisé le couloir. C'est position de la bise pour le faire comme vous. Ça fait un lien à voir avec comme si service public. Nous, on a 4 millions, sont pas émonnés. Vous prêtez 250 millions de gouttes dans l'eau là. On va pas faire ça. Vous m'avez même par exemple. Comme ma gueule levier politique là même. Vous on a été supposé comme si fait une semaine comme là. Ou bien l'État a payé à faire une semaine comme là. Oui, c'est vrai, t'es le prêté. Qu'aux conditions, vous le prêtez, vous ne pas la balle pression, vous le prêtez le prêté. Non, mais non, mais c'est moi qui c'est dégâts à un pays, à une bonne situation difficile. Oui, mais je comprends, je comprends les conditions pour le prêter. Parce qu'elle finit de dire ça. Parce que c'est ça Louko rapporté dans le matin débat. Il dit qu'il n'était pas là avec. Oui, oui, il n'était pas là avec René Célestin. Oui, ça ne parle pas avec. Ils ne sont pas émonés. Ok. Et puis toute l'argent dans la poche. On a prêté l'argent là où on a. Tandis que mon paquet de monde. Et ils disent qu'il a acheté pour Timoun Li jouer et pour Timoun Gavin jouer avec Timoun Li. Et Zamdou. Mais c'est. Et d'ailleurs, il y a la gagne, il a tiré dans ça, mon cher. Et puis, il y a acheté 4 millions. Donc, comme c'est comme ça ici. Et tout le monde dans l'État, il a amusé ou a prêté l'argent. Ils ont facilité pour vendre l'argent prêté. Ils ont de tous côtés. Et puis, bon, copie chèque, mais là, dans le même nouveau, il y a un sénateur, il y a ancien sénateur la Totsi, pour expliquer nous, chèque ça, maman, je vends dans l'État, un chèque. Plus de 800 000 gouttes. Okay. Qui fait sous nom maman sénateur Yuri Latochi. Il y a un joint de nuit. Longtemps ça? On partage là avec longtemps. On chèque qui fait sous nom Kamen Cantave. C'est Is ou bien J? C'est L. C'est elle ou c'est Kamen? Alors, c'est Cantave. Oui, elle. Et puis, notamment, elle, là, c'est la tortue, oui. Là, c'est le marié. Oui, mais son chèque, ça, c'est en août 2020. Oui, chèque la fête. Oui, on dit ça, alors, c'est. Mais bon, c'est en octobre. Octobre, décembre. Octobre 2019, décembre. Plusieurs mois, oui, plusieurs, trois mois. Octobre, décembre, janvier 2020. Qui l'âge maman l'a encore? M'bagin l'âge là dans chèque là, non? Non, mais je suis de 80 l'année, on va comme ça. 838 305 goudes. Ok, vous il bali. Oui. Pour une bonne explication, et puis nous-mêmes n'avons expliqué ça pour lui. Il a besoin de parler. Oui. Si vous avez besoin d'expliquer lui-même. Oui. Mais vous il bali, et puis là, il a explication sur ça. Son chèque l'État. Mais l'écrit SAL, ça veut dire que c'est salaire. Parce qu'on aime de travailler dans l'État pendant un petit temps. Nous avons les chèques roses, là, venez, c'est salaire, SAL. Et puis le bail des mois, etc. Comme si on écrit coordonnateur, on va être comme ça. Mais on est. Mais les hommes, là, on va être au Parlement. Parce qu'on aime bien au Parlement. On aime travailler au Parlement. On aime travailler là-dedans. Oui, 2012, 2013, 2014, 2015. Non, 2014. Mais si je comprends, c'est Kamen qui prend chèque là même, oui. Et lui, quoi? C'est ça, moi. Mais il met le compte dans son chèque, bot qu'elle est. Oh. Mais vous, il va, Il y a d'abord, il va, sénateur.
C'est là qu'on a 65 qui est 45 qui est voyé là. C'est moi qui écoute là. C'est là. Dis-nous si parole sur ce chèque là. Oui, oui. Dis-nous pas un petit parole sur lui. Ce chèque là, on s'est en pile. Et puis moi, depuis ça, l'air, m'a fait maman sénateur qui a travaillé toujours à l'âge de lui. Il a pris un retraite. Ou bien son contrat à rien. Oui, c'est capable de se contrer. Je ne sais pas si c'est un salaire. Parce que pas grand est illégal. Oui. Chèque. Mais quand c'est que c'est un salaire, c'est un salaire. C'est un salaire. Où ça fait ça là? Hein? Vous voulez mouiller les lits? Mandela. Bonne vidéo à le premier ministre là. Merci à Bill Gagné, c'est ton plaisir. À bientôt, ok. D'accord. Merci. D'après aller c'est fait contact là avec ministre, ancien ministre de la Justice Luc Mandelil. Nous parlons boucanter avec lui. Même certains ministres là qui ont écrit question. Première question n'a pas tiré avec lui. Hein? La parler son équipe grave. Luc Mandelil va jamais perdre. Hein? Bon. Luc Mandelil va jamais perdre. Hein? Son monde qui toujours assumer responsabilité, il toujours prend position li, il toujours dit ça le penser. On il toujours dit ça le penser. On a le jeune ancien magistrat, hein, on dit magistrat parce qu'il était commissaire gouvernement, il a comme dit ancien magistrat. Luc Mandelil, l'ancien ministre de justice tout, avocat dans barreau Port-au-Prince. OK, téléphone ministre là sonné là. On va parler avec lui. OK. Ministre là disponible pour nous. Merci. Parce que le ministre là disponible pour nous. OK. On va parler avec lui. On va le boucanter avec lui. Ministre Delil, bonsoir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous dans l'émission Boucanter la parole à soir. Je salue tous les hommes et les auditeurs qui nous boucanter la parole. Je salue Guerrier qui tape pas la vola. Et je salue tous les amis qui sont à l'étranger, qui sont à Haïti, et qui sont chez eux sur Internet et qui sont écoutés à Jamaica. Oui, on a rentré d'emblée. Je vais pas avoir des détails. Pour ne pas échapper, certainement, on a tendu Guerrier ou tant de questions que je poser aussi le là. Mais le débat de mission. Radio Omega. La question, c'est quoi, Valiste? Où tu as annoncé 72 aides temps pour tout le monde qui connaît pas bandit dans un village pour retirer koyo, c'est comme si tu as dit pour s'en pas voler sous yo pour éviter dommages collatéraux. Par la suite, tout le monde constaté pas gagné fait. Qui est-ce qui te passe au l'ordre pour te dire pas faire attention ça? C'est sa question. Bon, et voilà ce qui te nous donne. En Haïti, le gros problème pendant toute l'histoire d'Haïti, c'est pas pour gouvernement ça que m'était là-dedans, là, mais c'est l'histoire d'Haïti faite comme ça. Et les mauvaises choses, les mauvaises pratiques ont la vie dure. Et souvent, nous-mêmes Haïtiens, l'aime pas qu'à faire bagaille, au lieu pour nous prendre expertise, l'autre là, nous préférons créer des jaloux et nous préférons entrer en porte-à-faux avec les gens qui font des choses là. Et finalement, et c'est ça qu'il faut le pays, hein, pas avancer, le pays pas développer. Et l'homme était là, il a créé peut-être des jaloux et il y a des gens qui pensaient que nous avons des visibilités. Alors que, en tant que serviteur de l'État, m'pas deviné, m'devine faire chelbert, pour m'devine faire ouais. Grosse situation qu'a développé dans le pays, hein, depuis des années. Et particulièrement, deux dernières années, et qui sont passées là, côté kidnapping, non, tout non fléau, qui sont pour détruire tout haïtien. M'dis non, c'est pas possible, c'est trop pas tôt. Et le fait que m'dis qu'on espace de pouvoir, et m'dis non, et M. Sayo fondraque comme des bêtes sauvages. Bon, on voit que ça a commencé. Et bien, résultat, parce que l'un des fermés et malandré est en bas. Donc, de l'eau pas de prendre, médicament pas de prendre, des bonnes sur tout le bois de faire.
Nous t'entendons la commandant Marine dans le salut, la côté nous là, nous fermons et bâtiment sous l'ombre pas de traverser. Et M. Taplin, on était content de ça, a commencé par résultat. Malheureusement, devine un peu le monde qui est déjà à l'eau contre moi. Et me disons certaines presse, dès qu'on attaque tout, comme si c'est moi qui lui fait passer comme méchant, alors que je ne pas trouvé que ça qui a passé là, c'est parce que je me disais que prévoir. Je me suis allé au-delà de ça, c'est qu'arrivé. Qu'on y a eu comme maman, papa, petit, a crié, tout le monde aux abois. Et tout le monde en marron, tout le monde peur, tout le monde a crié, maman, papa, petit a crié. Et c'est, je prévois, c'est comme ça qu'on a privé. Et malheureusement, je ne suis pas là. Et grand pile, je suis déjà allé. Donc, je suis allé voir les gens comprennent, ça se passe là. Et puis voilà, je ne suis pas là. Mais, et, attention, Valistin, je veux dire en tant qu'ancien ministre, j'ai une obligation de réserve. Je vais me raconter peut-être, écrit, mémoire, moi, et. Je pense autant et pays a connu exactement ce qui est passé. Mais l'autre commissaire gouvernemental, on dit parler d'ancien magistrat, oui. Ancien commissaire gouvernemental, magistrat debout. Oui. Et en tant que ancien ministre de la Justice, une obligation de réserve, je ne peux pas dire toute bagaille. En tant qu'homme d'État, donc je ne peux pas tempêter dire n'importe qui bagaille. Mais cependant, pays a pris acte, pays a compris ce qui est passé. Ou tout si m'la pas insisté sur qui est-ce qui te dit mon cher parler koto pour aller parce qu'on dit obligation de réserve là c'est d'où dit m'la pas insisté moi pour nous valister et moi crois que pays a pris acte et on comprend ça qui passe là et autorité te dit que c'est pas lui m'a pas l'empire il m'a pas résultat il a cherché moun qui a pas résultat qu'on a mes résultats qu'on a et qui l'a fait non et donc la ferrage et tout le glamaro, il était dit par le palanville, il était chez les gens de résultats. Donc, tout le monde nous aboie. Et finalement, et monsieur, c'est combien?